Nous allons voir comment appliquer un texte sur une surface. Alors pour ce faire, nous allons utiliser dans l'atelier conception mécanique drafting. Alors valider sur OK pour un document vierge. Ensuite, cliquez sur l'outil texte. Sélectionnez une zone. Saisissez votre texte. Validez en cliquant sur OK. Modifiez la taille. Et surtout la police de caractère. Choisissez Arial Black. Voilà, c'est terminé. Vous enregistrez votre document. Fichier, enregistrer sous. Sélectionnez le format DXF. Voilà, enregistrez ce document. Et ouvrez-le. Donc, fichier, ouvrir. Voilà, votre texte maintenant apparaît sous cette forme. Maintenez le clic gauche et sélectionnez l'ensemble des lettres. Faites un copier-coller, donc CTRL-C. Repartez sur votre aileron par exemple. Et vous allez créer cette fois-ci une esquisse mais positionnée. Donc, dans le type, sélectionnez position à partir d'un point et cliquez sur le point en bas à gauche de la face. Voilà, validez en cliquant sur OK et vous obtenez une nouvelle esquisse. Alors on va utiliser un facteur d'échelle pour modifier la taille si besoin est de notre texte. Donc, cliquez sur l'un des points. Retournons maintenant appuyer sur le clic gauche de votre souris, modifiez la taille, venez positionner votre texte comme vous le souhaitez. Sortez de l'esquisse et vous allez pouvoir appliquer ou une extrusion ou une coque. Voilà, ici on a choisi une extrusion de 3 mm. Donc on va venir voir apparaître les lettres.